Et nous sommes de retour dans Mortal Shell. On va faire un épisode un peu plus long. Peut-être même, si jamais je fais une pause, je couperai, je les mettrai ensemble, tout ça. On a fait notre premier épisode qui était à peu près de 50 minutes. C'est bien passé, tout le long. Sauf la fin, faut pas regarder la fin. On va passer par là. On est mort. Évidemment, c'est un Souls game, on meurt. Mais ouais, ça s'est bien passé, et honnêtement, c'est super grand la forêt, tout se ressemble. Je vais avoir du mal à me repérer tout le long. Genre, soyez... Oh, on a récupéré un truc. Ah, il me stresse l'autre. Soyez sûr que... Moi qui dis je sais pas où aller ou je me perds, je vais le dire extrêmement souvent. Qu'est-ce que... Ouais, merci, parce que tu étais en train de cibler quelque chose. Comment ça s'appelle? Les lueurs, voilà, je cherchais le nom. Waouh, d'accord, tu viens de complètement de louper le mec. Car il allait dans la même direction que toi, apparemment. Ah, l'esquive était trop lente. J'ai appuyé sur B trop tard. Bon, bah ça va, c'est cool. On a... Du coup, on a perdu le goudron. Tain, on vient de commencer il y a genre il y a 2 minutes, on est déjà mort une fois, quoi. Je crois qu'on vient de perdre le goudron qui était au sol, je pense. Je sais plus si ça fonctionne. Ok, merci. Je sais pas si, je sais plus si ça fonctionne comme les Dark Souls. C'est bien parce qu'on a, fait une attaque, donc sauter. On a complètement tapé à côté et c'est ce qui nous a tués. Vraiment sympa. Faudrait peut-être que je saute... Ouais, c'est comme Dark Souls. Faudrait peut-être que je saute... plus tôt. Genre comme ça. Ouais, il y a quand même le risque de louper. Mais comme ça, il a peu... Oh mon dieu, il est derrière moi. Comme ça, il a peut-être moins de chances de... Ouais, trop tôt. Il a peut-être moins de chances de louper la cible si elle va dans la même direction, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, on est encore exactement... sur le même... Quand ça éclaire rouge, du coup, c'est une attaque qu'on peut pas parer. C'est ça, hein. C'est ce que ça disait, hein, je crois bien. C'est quoi? Ragriel. Okay. On est déjà fouillé ici, de toute façon. Ah mon dieu. Ok, bien. Genre ça. Oh, il y a quelque... il y a un objet en haut de la tour. Il y a un objet en haut de la tour. Comment on fait? Ah là, de là-haut, ok. Ça marche. Bon, on se balade, parce que je sais pas du tout où on doit aller. On va aller là. On va voir si on peut pas faire le saut. Oh, il y en a partout.
Merde. Waouh, ok, d'accord. Complètement loupé, c'est bien. Bien riposter le mec là. Ouais, ok. Waouh, il fait mal en plus, putain. Là, on va crever si je me loupe. Très bien. Grenouille bouillie. C'est que de la bouffe en fait. C'est quoi? C'est Zelda Breath of the Wild, c'est ça? On va mettre d'autres objets, des objets de soins. Enfin, des objets de soins entre parenthèses, je pense que c'est des objets de soins. Ah, on peut essayer le sort de bestiole là, on peut la faire. Attendez. On va remettre ça en premier, on va mettre ça là, ok, ça c'est bien. Et... je sais pas lequel est le mieux. Ah oui, on peut faire ça aussi. Familiarité 1. Je sais pas comment ça marche. Est-ce qu'on fait que l'utiliser d'affilée? Ouais, non, c'est ça. Familiarité 2. On va essayer de faire de la musique à chaque fois qu'on tue un boss. Si je me rappelle de le faire. C'est surtout ça en fait. Allez, c'est parti. On va sûrement mourir, hein, mais bon. Ok, le tracking il est un peu abusé. On peut le parer. Ok, d'accord, ok, super. Bien joué. Ah, le tracking. Non, on est bon. Il a un bon tracking, mais ça me touche pas en fait. Ok. On pourrait le faire, mais on n'a pas vraiment de soin en fait. Ouais, c'est ça le problème. On n'a pas quelque chose qui peut vraiment se soigner. Ça, on peut pas le parer, par contre. What? Genre quand il retire sa griffe du sol, ça me fait des dégâts débiles. Débile. Aussi ça vrai gêne. Mais ça par contre c'est complètement con. Désolé mais le fait qu'il retire sa griffe ça me fait des dégâts comme ça, c'est complètement con. Ça c'était débile. Dans la merde. Ok,
On a plus d'endurance, on est mort. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tester ça. Non, c'est pas goudron, c'est ça que je voulais faire. Oh merde, bouge! Oh putain, encore! Non! Quelle merde! On était bien là. Bon, il est pas. Honnêtement, il est pas complète. Il est pas insurmontable. Ça va. C'est juste que. On n'a pas vraiment d'objet de soin en fait. Oui, non, mais tu vas pas me saouler à chaque fois quand même. On n'a pas de. Ouais, on n'a pas vraiment d'objet de soin quoi, en grande quantité. Par contre, c'était où? Ah putain, mais j'ai déjà oublié moi. C'est tout à droite? Non. C'est tout droit, je crois. Dans le marécage, hein. Je vais tellement lutter pour me repérer. Ouais, c'est là, je crois. C'est pas du tout là. Non. C'était où après la tour? C'est en bas? Je sais pas du tout. Genre tout se ressemble pour moi. Je crois que c'est après ce petit camp là. Je crois. Mon Dieu, les dégâts s'il te plaît. Oh mon Dieu, l'esquive elle est pas bonne ou quoi? C'est pas du tout là. Je sais pas, on y est, on y va. Je suis perdu. Où est-ce qu'on est? C'est con parce que du coup on va avoir du mal à monter de niveau hein, si à chaque fois je me perds et je Ah mais t'es quoi toi? Si à chaque fois que je me perds et qu'on récupère pas les le goudron, ouais on va un peu lutter quoi. Oh merde. J'en étais sûr, c'est empoisonné. Il y en a trois, ok ça marche. Oh le bruit. Oh le bruit qu'ils font quoi les machins. Mais le truc il se lève et il se lève en attaque quoi. S'il te plaît. Ça va? Ça va point de vue je suis cheaté. Tout va bien. Putain, par où on est passé? Ah, je crois qu'on est passé par le haut. Ah. Attendez, j'ai un semblant de mémoire qui arrive, non? Non. J'ai rien dit. Ah, on se prend des dégâts de chute aussi. J'étais pas sûr. Où est-ce qu'on est? Oh, en visite, allez.
Quand on retrouvera la grotte, j'essaierai de m'en rappeler. Faire genre je crois c'est deux attaques lourdes ou trois attaques lourdes, après on se met en pierre et après on fait enchaînement rapide deux fois et attaque lourde, ça tue à 100%, j'ai l'impression, genre c'est super safe. Ah, les chauves-souris. Les chauves-souris. Ah oui, c'est le camp avec les deux là. Ah, ils sont tous activés. Allez, on va se les faire. Je crois qu'il y a des coffres. Je crois. Ah, je suis pas sûr. Après, j'avoue que le saut est pas pratique, il faut quand même courir un bon moment, donc de le faire de près c'est un peu... Ça vient d'où? Ça vient de là. Fait chier lui. Faire comme ça, ça par contre faut pas se louper parce que ça utilise toute la barre d'endurance, mais ça a l'air d'être à 100% kill à chaque fois. Alors... Ah, les mecs qui se lèvent et qui se rassoient et tout, c'est horrible. J'ai l'impression que ça c'est un défaut du jeu en fait. Est-ce qu'ils vont venir un par un ou pas? J'ai envie de dire que c'est un défaut du jeu. J'ai vu qu'il y a un objet dans le coffre. Oh, oh, oh. Merdez mon endurance là. Très bien. Gnoll de qualité supérieure, tout ça pour ça. Bon, on va dans la grotte. Non, c'est pas une grotte. Ah, c'est le début de la démo, je crois. Il y a peut-être pas lui, mais... C'est trop lent. J'étais un peu lent pour... C'est quoi ce que j'ai récupéré? Ah, une lueur. Pour taper. Je crois que là, il y a un monstre qui nous empoisonne. Dans la démo, il y avait ça. Genre un truc qui nous empoisonne. Extrêmement chiant à combattre. Je
pas mal ce combo, j'aime bien. Oh, marchand, je crois, sur la gauche, non? Qu'est-ce que je fais, moi? Je le regarde me taper. Un peu con, ce que je fais. Attends, j'ai plus pas d'endurance. Pas assez, en tout cas. Je vais être honnête. J'arrête de me plaindre après. Je suis pas méga fan des monstres en fait qui se lèvent directement quand on s'approche d'eux. Parce qu'en fait ils se lèvent en faisant leur animation d'attaque. Donc en gros, il n'y a pas d'intermédiaire entre l'animation de se lever et l'attaque quoi. C'est un peu débile. Et j'ai l'impression que je me fais beaucoup toucher par ça en fait. Peut-être pas avoir assez d'endurance là. Ah si. Si, ça va. Elle remonte quand je suis en carcasse. Quand je suis solide. Donc ça va. Alors, on peut aller là. Je suis tombé d'une petite marche et ça m'a déstabilisé pour attaquer. Oh mon Dieu! Arrêtez de reculer! Vous voyez bien que je vais vous défoncer. Aller directement sur lui, il y en a deux. Oh, on est mort. Mon endurance. Quoi? Pardon? Genre c'est parce qu'ils m'ont fait tomber quand ils m'ont tué en fait, c'est ça? Oh mon Dieu. Oh le jeu quoi. Parce que je suis sûr que j'étais encore en vie. Restons calmes, restons calmes. Dans les Dark Souls, enfin dans les Souls games en général, c'est le moment où on veut rusher que ça commence très très mal. Ok, très bien. C'est mon endurance qui me tue en fait. Comprennent quoi le... Ah oui, le trou à gauche. Après, on n'a pas une attaque, je crois que c'était genre L2, R2. En même temps, ou L1, L2, L1, R1, en même temps.
Mais bon, je crois qu'on l'a peut-être pas débloqué parce que ça me l'a pas dit nulle part en fait. Donc je pense qu'on l'a pas. Oh mon dieu, la vitesse, je vais mourir. Oh mon dieu. La vitesse de réaction du perso, quoi. C'est bien. Je sais même plus de quel côté on était mort, tellement que... Ah, là, tu enchaînes vite. Marrant, hein. C'est marrant, dis-moi. Lui s'est levé directement, sympa. Ok, d'accord. Non mon dieu, non. Non, 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 non. Ça recommence. Exactement la même chose. Exactement la même chose. Je sais pas si j'avais le... si je pouvais me mettre en solide. Faudrait que je l'utilise plus souvent peut-être. Peut-être que je peux le faire deux fois dans le combat de quelques secondes. Oh mon dieu, l'autre va me parler. Oh, ça va m'énerver. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, tu vas prendre mon épée dans les... dans la tête. Allez, on va oublier ce qui vient de se passer. Tape, tape, fais quelque chose. Merci. J'ai l'impression de... de faire les mêmes réflexions que genre les gens qui font enfin pas exprès, mais je vais dire qui exagèrent. Genre pour les Dark Souls, ah, Dark Souls c'est super dur et tout. Et les gens ils sont là, genre ils bougent pas exprès, ils sont tapés. Et ils sont là, ils me défoncent et tout, c'est trop dur, machin. Alors que c'est eux qui sont limite incompétents, j'ai envie de dire. Bah là, j'ai l'impression d'être un d'entre eux. Là. Je suis devenu mauvais au Dark Souls, c'est bien. Est-ce qu'on a une attaque sautée? Ouais, d'accord. Enfin, une attaque tombée, c'est ça que je voulais dire. Plongeante peut-être? Peut-être le mot. On va passer par là.
Oh, bonjour. Bien. Pas mal ça, pas mal. Plein de parades. Je vais faire compter. Ah, les trucs qui empoisonnent. C'est bien. Je crois que si on mange des champignons empoisonnés, on va pouvoir... Oh mon dieu. Genre devenir peut-être résistant au poison quand on a la familiarité qui est augmentée. Oh, le fée qui se recule à chaque fois, c'est très très chiant. Ah, on a pris le même chemin, mais sens inverse. C'est peut-être plus facile, ils viennent un par un. Ah, je pense qu'on peut les stunlock assez facilement. Ok, bien. Lueur, très bien. Je crois qu'il en reste encore un. Ah, je suis tombé. Non, ça va. Ok, donc on a fait cette zone-là, on est bon. Faut que je pense par zone, genre qu'on a fait, parce qu'il y a les champignons et tout ça, ils reviennent. Donc du coup, ça je me dis, tiens, des objets à prendre. En fait, non. Alors lui, on va le faire. Voilà. Putain, je me suis loupé, quoi. Ok, donc là, c'est la maison pour... le goudron et tout ça. On va aller par là. Bonjour. Un truc qu'il faudrait qu'on ait, c'est une attaque sautée en fait, qu'on n'ait pas besoin de sprinter. Ce serait vraiment pratique. Oh, oh les crapauds. Ah putain de salope. D'accord. Bloc, hop, petit et rapide. Enfin, rapide et lourd. Oh. Il reste longtemps le poison.
bien joué. Bien joué. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez me taper? Merci. Ah oui, là, ça oublie, il y en a plein. Fallait go. Ouais, moins un. Alors, est-ce que vous êtes débile ou pas? Est-ce que vous allez venir genre un par un? Ok, il y en a déjà qui ont abandonné, ça va. On va peut-être pouvoir le faire. Ok. Attends, l'endurance, l'endurance, doucement. Très bien. On peut même faire deux coups. Lutte, résistant. Ok. Coffre. C'est un coffre, ça, ou pas? Non. Ça va, ça avait l'air difficile, mais vu qu'ils sont bêtes, qu'ils aiment bien regarder leurs potes mourir, ça se passe bien. Lueur de sagesse, sûrement pour beaucoup de lueurs, j'imagine. C'est quoi? Jeton spectral. Lueur de vérité, lutte résistante. Ouais, enfin, on s'en fout un peu. On n'a qu'à mettre celle-là ici et celle-là ici. Voilà. Je sais pas pourquoi ces sacs bougent tout le temps. Là. Si je me fais empoisonner, j'ai envie de bouffer des champignons empoisonnés. Histoire de... Au moins on sera sur le même poison. Enfin, je pense pas qu'on puisse les cumuler. Et du coup on pourra... être familiarisé avec le... Avec le champignon. Putain de saloperie. Ah bah tiens. Ouais mais du coup je les ai pas équipés par contre. Est-ce qu'on peut les manger, utiliser l'objet? Ah mais c'est un par un. Ouais, ça fait... Ouais, non, si, ça se cumule, en fait. Ça se cumule. Par contre, le poison, il est violent, là. Vache. Ah, mais c'est... C'est le marécage, en fait, qui fait ça. Oh, il y a un objet, là. Est-ce que je peux voir l'altération que j'ai sur moi, l'altération d'état, là? Non, je me débrouille, c'est ça? Objet, tutoriel, connaissance. Ouais, non, on s'en fout, c'est ça? Ok. Je sais pas, si quelqu'un sait, ouais, me le dire. Bon, le gros crapaud, c'est un ennemi? Ou pas? Ah, ça a pas l'air, on peut lui parler, bonjour. Nourrir gorf, ragrier, nourriture avariée. Ah! Grenouille bouillie, on va peut-être pas lui donner des grenouilles. Nourriture avariée. T'aimes bien?
je t'ennuie. C'est rien, je suis pas vexé. Je vais réfléchir à une façon de mieux te divertir la prochaine fois. Ok, t'es heureux? Je t'ai donné de la nourriture. Arrête la musique. Loupé. Le truc en fait, on se régène de la vie pour avoir, pour pas se faire tuer en fait, si jamais on loupe un coup paré quoi. C'est un peu ça en fait. C'est genre assez, avoir assez de vie pour endurer un coup si jamais on se loupe. Tu viens d'où toi exactement? Merde. Ok. Ah oui, lui. Ah, on était là un moment. C'est là que je me suis... Putain de merde. C'est là que je me suis un peu perdu et que... On a fait demi-tour. What? Elle aurait jamais dû passer, là. Le carreau, il aurait jamais dû passer. Il était sur ma droite, t'es sérieux? Merde. Ouais. Il y avait une différence de niveau, donc j'ai préféré le tuer au lieu d'essayer de récupérer de la vie en le parrain. Ah, la tour. Ouais, on peut y aller maintenant. Bonjour. Faites pas attention à moi. Je tue seulement votre ami. Allez, un parrain. On est bien élevé. Ah, très bien. Très très bien. Combo gagnant. Beau gagnant. Waouh. Ok, apparemment. Ils peuvent pas tomber, je pense. Si. Non. Moi oui, mais eux non.
Ouais, ok, d'accord. Des fois, je le fais trop, genre, j'essaye de matcher vraiment le l'impact du coup plus mon L1 en fait. Mais non, faut le faire quand même un peu avant, à chaque fois. Faut anticiper. Bon après, c'est pas très compliqué d'anticiper, mais parce qu'on voit les mouvements en fait sont très amples des méchants, là, des petits méchants. Mais faut que mon cerveau s'habitue en fait à faire ça. Genre mon réflexe. Ça, tu fais chier. Tu peux tomber ou tu peux pas tomber en fait? Genre il fait demi-mesure. Oh putain, allez viens. Allez. Je suis trop con, trop con. J'aurais dû complètement me mettre résistant, mais c'est pas grave. Ça, c'est à moi. Non, non, c'est toi qui viens, parce qu'il y a ton pote à côté. On va essayer de pas se louper. Très bien. Ah oui, ça faisait quoi les jetons? Je me rappelle plus. Je crois que si on... Il y a quelque chose avec la résistance. Non, je sais quoi, c'est celui-là? Je sais plus. On va voir. Alors, si vous êtes touché alors que vous êtes en forme, endurance, endurci, vous gagnerez un bonus. Un bonus, je sais pas quoi. Ah merde, on est de retour ici. Fait chier. Quand j'ai plus d'endurance, faut que je me mette en coquille. Au lieu de prendre le coup comme un débile. Ok, bien joué. Je sais pas si on va le faire lui. Faut pas que je me loupe en fait. Quoi? C'était quoi ce mouvement de caméra de merde?
On a gagné quoi? Ah, de machin. Et voilà. Un petit boss. Donc une petite musique. Ça, c'est bien passé. Le truc, c'est qu'on a utilisé... C'est ça, en fait, la Nuhl. C'est quand même vachement pratique pour ce genre de combat. Ça permet de... Alors, à chaque fois, on va méditer, en fait. Ok. À chaque fois, on va sortir ça et on va faire de la musique et on va méditer sur le combat. Donc, en gros, la Nuhl, c'était bien utile. Pour pouvoir se remettre de la vie petit à petit. Parce que sinon, on serait mort, en fait. Donc, ouais. Un bon objet à avoir. Par contre, on a pas mal de... Ouais. Ah, je peux faire demi... Je peux pas faire demi-tour, la blague. Ah, tu me fais chier, j'ai pas de soin. Bon bah voilà. Oh ! J'avais même pas vu en fait, j'ai cru que c'était un objet en fait du monstre. Bon bah ça va, on progresse, c'est bien. Alors t'es quoi toi? À part encore un mec en armure. Enveloppe occupée, inconnue, un homme et plus qu'une simple chemise. J'ai l'impression que tu tapes plus vite. Non, je dis pas. Par contre t'as plus de vie je crois bien. T'as l'air un peu plus... T'as l'air en fait d'une sorte de d'upgrade quoi par rapport à ce qu'on a. J'imagine qu'il a d'autres compétences. On va essayer de, si je me perds pas encore une fois, on va essayer de revenir là pour utiliser tout ce qu'on a récupéré. Ah mais oui c'est vrai qu'on a changé d'enveloppe, c'est l'autre enveloppe en fait qui a les... Ah putain à chaque fois j'oublie le nom, comment ça s'appelle? Les lueurs, lueurs. Ah ouais, oui c'est vrai que il faut être... Ou alors faut les farmer genre en objet et après on les consomme quand on a la bonne lueur. Quand on a la bonne carcasse sur nous. Ou alors il faut avoir la bonne carcasse pendant qu'on tue les boss et tout ça. Pour monter de niveau ce qu'on veut. Ah mais du coup je sais pas ce qu'il fait son... Ah c'est pareil. J'ai une question bête mais c'est... Ils se solidifient tous? Ça je me rappelle pas. Ou alors est-ce qu'on a d'autres pouvoirs? Par contre, pour aller utiliser mes points, dans quelle direction? Ah! Bah c'est là du coup. Normalement il y a une porte à gauche quelque part, non? Ça veut pas s'ouvrir. Faut monter par là, je me rappelle plus.
qu'elle est là, la porte. Ouais. On progresse, madame. Vous avez vu ? Yes, taste the truth. Ah oui, du coup, il faut payer. Ah, mais ça va, il n'y a pas de lueur à payer. Donc, on va voir qui c'est, lui. Existence is a curious matter. The greatest triumph in the universe, gifted and squandered. I shan't make the same mistakes as my brother. When the moment comes, I'll exercise restraint. Ok. Solomon, l'érudit. Alors, accumulation de préscience. Plus rapidement avec les objets, gagner lueur en lisant les connaissances pour la première fois. Cool. Accumulation d'ascension, change de restaurer toute la détermination en tuant un ennemi avec une riposte automatique. Change de soigner lorsqu'il utilise une capacité d'arme pour tuer un ennemi, c'est pas mal. 25% de maximum portant une glande sacrée ou un segment de détermination max en portant. Ok. Durée pendant laquelle les ennemis sont endurcis, vous êtes séparés seulement, est augmentée. Solomon gagne un segment de détermination en parlant à un PNJ. Ouais, en fait, lui, le mec, c'est discuter, utiliser les objets pour la première fois, lire des choses. Ah, ça, c'est ça, tout le monde l'a, je pense, les trois trucs en bas là. Petite condition est frappée sous forme d'endurci. Ok. Apparemment, je voudrais bien changer. Ah là. Je sais pas vraiment qui est le mieux. Enfin, vu que là on a de la lueur, on va l'utiliser. Alors, tuer deux ennemis rapidement réinitialise le temps de récupération sous forme endurcie. Alors ça, ça peut être utile, mais pas vraiment pour les boss. Forme endurcie résiste deux fois plus longtemps à la destruction. Ça, ça peut être bien. Augmente les chances qu'un ennemi donne une lueur supplémentaire en étant tué. Ça, c'est pour la farm. Pendant une courte période après l'endurcissement, les ennemis tués ont une chance de donner une lueur supplémentaire. Ouais. C'est pas top, en fait. D'essayer les ennemis en puissant coup de pied. Honnêtement, j'ai envie de prendre ça. I was given a choice. To kneel before the executioner's axe. Or the queen. An easy choice. For years I wore her sigil. Repeated all the oaths. But I always knew one day. No matter how many honors were bestowed upon me. I would escape. Cool. Du coup, est-ce qu'il y a que cette carcasse qu'il a ou pas ? Non, il c'est le temps de récupération fondu aussi. On va peut-être prendre ça aussi. Silent, the newborn crawled from the earth's viscera, a gaunt, sallow-skinned creature, not entirely inhuman. Its hands grasped uselessly at her deflated form. Her limbs writhed and coiled around it. Perhaps an embrace. Alors, coup de pied. Alors, pour un faible coup en détermination. Ah, ça utilise la détermination. Faites tâter de vos bottes à votre adversaire un coup de pied, réussir un ennemi et étourdir brièvement. Ok. Un petit coup de détermination. Une barre entière, tu veux dire? Tu veux dire une barre entière? Ou j'ai mal lu? Alors, fais voir si toi tu as. Oui. Ah non, il faut à chaque fois du coup débloquer. Ok, ça marche. Voir un peu la vie qu'on perd avec lui. Ouais, on a un petit cran de vie. Mais bon,
On a augmenté lui, donc bon. On va repasser par là. Je sais pas vraiment où est-ce qu'on pourrait aller. Ah, la tour. La tour, on l'a pas faite au final. Putain, ce mouvement de caméra à chaque fois, qu'est-ce qu'il est relou. Il y a nos armes aussi. Qu'on augmente pas. Faudrait qu'on augmente nos armes. J'ai pas envie de te combattre, faut qu'on parte. On va passer par là. Non, c'est la merde. J'ai rien dit. On se passe bien, les chauves-souris. Donc les chauves-souris, c'est la bestiole. Putain, c'était juste là en fait. Enfin non, c'est pas la bestiole. Oh, les dégâts, s'il te plaît. J'ai tué les deux. Ah mais réagis. Quand je te dis de faire une roulade, tu l'as fait, ça serait bien. Bon, on va repasser par là. Ah, on va aller à droite. Merde. Waouh, merde deux fois. Mais t'as t'avais crevé comme une merde comme ça. Genre tape plus vite, swing plus vite, mec. Je crois que le plus dur dans le jeu, en fait, c'est pas vraiment la difficulté du jeu, parce que les ennemis ils sont nuls, honnêtement. Les boss, genre ce qu'on a, le gros monstre. Ferme ta bouche. Le gros monstre qu'on a combattu. Je suis d'accord, il était un peu... On va dire qu'il fallait un peu de skill et tout ça. Mais le plus chiant, c'est qu'on est bloqué avec la même arme, pour le moment. Genre, on a récupéré une carcasse, mais il n'y a pas de nouvelles armes dessus. Enfin, pas celle-là, en tout cas. Du coup, si on a un problème à manier cette arme, bah c'est la merde. Là, je pense qu'il y a un mini-boss aussi, je suis pas sûr. C'est peut-être celui-là qu'on est censé combattre en premier. Genre ça, là. Alors, c'est peut-être pas un mini-boss, en fait. Je sais pas s'il a une vie. Ouais. Thank you.
Bah, bien joué. Je me rappelle que lui il est pas très dur parce qu'en fait à chaque coup il est stun en fait. C'est juste le coup de l'endurance en fait. D'accord. J'ai pas touché ça, j'ai touché l'objet mais c'est pas grave. C'est l'endurance en fait qu'il faut faire attention. Faut pas trop taper, faut pas trop esquiver, faut pas faire de roulade genre. Ah, là c'est le voleur, je crois bien. Avec les deux armes, là, la dague. Et la faux, ou je sais pas quoi. Ou alors c'est peut-être un autre, ils ont peut-être changé ça. Ah non. Ouais, c'est autre chose. Allez, prends! D'accord. Ah, ben les. Ah, ben putain! Les indications là pour. Pour récupérer les objets, hein, c'est pas trop ça des fois. Ouais, ça dure longtemps quand même. Ah, donc lui il a plein d'endurance. Ah, du coup, ouais, ils ont changé ça aussi, d'accord. Donc en fait, là je change, on va dire, d'armure. Bon, après, je change des propriétés aussi. J'ai plus d'endurance, j'ai moins de vie. Enfin, honnêtement, la vie, je pense que c'est la même. Par contre, j'ai moins de détermination, j'ai que seulement 2. Ah oui, il y a le coup de pied que j'ai toujours pas testé. Ah oui, mais non, oui. Ah, mais non, mais je peux plus du coup. Ouais, je peux plus. Ah oui, on a ça, ok, cool. Ça fait des dégâts ou pas? Non. Oh bah là, honnêtement, oui, ça devrait être un peu plus simple, oui. Devrait être un tout petit peu plus simple, là. Ah oui, bah là on va rester comme ça hein, pour le moment. Parce que comme j'ai dit, ce qui me tuait la plupart du temps, c'est l'endurance. C'est complètement l'endurance en fait qui me fait défaut. Faudrait une arme qui consomme moins d'endurance, ou alors bah, une barre d'endurance plus grande. Bon là on a la barre d'endurance plus grande. Là je crois qu'on va retrouver la femme. Et je crois que là il y aura un boss aussi dans le catacombe là plus loin. C'était le premier boss du jeu, de la démo je crois. Hey, réveille-toi. Eager for another taste, foundling. Not so hasty. Not all places are as friendly as Fulgrim. There won't be any merriment around the bonfire here. Only the dead call this place home. All that remains are scavengers gnawing on bones. An intruder like yourself will not be welcome. So then, would you like another sip? Ouais. On va voir qui c'est.
Yes. They foretold a truth more terrifying than any other. Those who glimpse it behold no monster other than an utter lack of meaning. The visage of a razor-thin line between existence and non-existence. And nothing in between. Ouh, c'est profond. J'ai rien compris. Thiel, l'acolyte. Alors, accumulation de préscience. En cas de riposte automatique, Thiel libère parfois un nuage empoisonné. Ah non, mais c'est lui en fait, c'est bien lui, le voleur là, que je disais. Du coup, normalement il devrait avoir un... Lorsqu'il subit des dégâts de poison, Thiel regagne en santé une partie des dégâts qu'il aurait dû subir. Ouais, ça. Frapper un ennemi empoisonné augmente les chances de déclencher une autre capacité passive. Lorsqu'il subit des dégâts, Thiel a l'intention de perdre de l'endurance au lieu de points de vie. Putain, mais c'est... ouais, il a plein de trucs bien en fait. Dans toutes ces bases, vous gagnez un bonus de dégâts. Sprinter ne consomme pas l'endurance de Thiel. Pardon. Lorsqu'il tue un ennemi, Thiel obtient un bonus qui empoisonne les ennemis touchés. Vous perdez ce bonus si vous êtes touché. Ok, c'est vachement bien tout. Alors, on va prendre ça. Enfin, c'est bien, mais je pense que pour farmer, en fait, c'est moins bien. The hand into the embers, and the flames leapt at his touch. Drawing back his blackened fingers, he drew a sigil of ash beneath my eyes. The soot burned against my cheeks, growing hotter with each word of purification. Mm-hmm. Je pense que lui... Genre niveau combat c'est cool, mais après niveau genre lueur et tout ça c'est mieux de garder la carcasse, notre première carcasse je pense. Et peut-être à la limite la deuxième ça serait bien pour tous les nouveaux objets parce que lui il a une chance de gagner, enfin je sais pas trop. Enfin, ouais. Mais bon on va garder ça là hein, honnêtement pour le moment c'est top. Que les armes en fait. Peut-être changer. Ah merde, mais je suis sorti. J'ai cru que c'était le... D'accord. Pardon. Par contre les chargements, sont un peu longs. Enfin, il y en a deux à chaque fois, c'est bizarre. Genre là, ouais. Tu vois. Très bizarre. Fais voir, est-ce qu'on n'a pas... Genre ça... Genre, on peut pas utiliser... La figure de Solomon. Ah, du coup, là, on peut devenir Solomon, en fait. Ok. Fige de Thiel, 3 de Haros. Fige inconnu. Ah, enveloppe non découverte, ouais. Sûrement l'effigie qu'on a, en fait. Du coup, bah, c'est par là. Ah, c'est là, la forge. Bonjour. C'est là pour augmenter nos armes. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah oui! Ah bah bravo! C'était pas mal, c'était stylé. Ah bah bien joué! Oui, veut t'arracher pas les pages de livres, hein, comme ça. Ça se fait pas. On est où maintenant? À Dern, encore? Oula! Oh, tu vas te calmer? Ah! Non. J'ai du mal à le lire en fait. J'ai énormément de mal à lire. Oh merde. On est mort. Okay, cool.
Si on faisait tout en esquive. What? Wow, c'est stylé. Mais putain, esquive! Honnêtement, je devrais avoir beaucoup moins de mal que ça parce que. On a une endurance de ouf quoi. Ok, bien joué. Alors là, c'était nul. Merde. Bien joué. Bien putain de joué quoi. Pas maintenu assez longtemps le. On l'a eu. Poisson. Eh ben, j'ai fait le combat honnêtement trop de fois. Trop de fois. Ouais. J'ai recommencé vraiment trop de fois. Je vais sûrement couper quelques-unes de fois aussi. Parce que honnêtement, c'est pas intéressant à regarder. C'est juste moi qui apprends. Qui essaye d'apprendre le pattern et j'ai du mal. J'ai énormément de mal. Mais ouais, c'est bon, on l'a fait. Arme équipée, l'âme du martyr. Ah bah du coup on a son arme. Je vais voir. Ça dit quoi comme arme? Ah oui, où est-ce qu'on voit l'équipement du coup? Toujours équipement. L'âme du martyr, une épée à deux mains, froide comme la mort lorsqu'on l'empoigne. Ok. Je vais pas tout lire, ça sert un peu à rien. Ah ouais, c'est... Ah ouais, d'accord. C'est... Je sais pas. Ouais, c'est intéressant, mais... J'imagine que ça fait beaucoup de dégâts, mais... On a le temps de se faire taper 5 fois. Hein. Après, est-ce qu'on peut faire des coups rapides ?
C'est bien parce que moi je peux commencer l'animation de taper dans, dans la fumée, c'est assez intéressant. Ouais mais attends, moi je veux mon autre arme en fait. Ouais, honnêtement je pense que ça c'est mieux. Quoique j'aime beaucoup l'autre arme mais... possède un sillon vide en son centre, pointe mécanique. Ça fait quoi? Ok, capacité d'arme obtenue. Alors, obtenez assez de détermination en attaquant les ennemis pour activer une puissante capacité LB et RB. Ah, mais c'est ça! Ok, ouais, bah du coup, on va utiliser ça pour le moment, c'est cool. Et après, ça fait quoi ça? Lever une arme d'acier augmente sa force. Cool. Je me demande si ça utilise deux de détermination ou toutes les déterminations, parce que j'en avais deux en fait. Yes. Oui mais non, du coup on arrête. On va continuer ici. Bon bah ça va, on a récupéré l'attaque spéciale et on a notre notre petit fantôme. Moi je vais l'appeler fantôme maintenant, pas le voleur. Par contre je voudrais bien augmenter... Je sais pas combien de ça donne ça. Waouh, 150. J'aurais dû peut-être regarder d'abord combien ça coûte. Parce que se goinfrer de goudron et de lueur, c'est peut-être pas vraiment la bonne solution sans pouvoir les utiliser. Genre là, il m'en faudrait 2. Riposte tonique, libère parfois nuage d'emploi. Alors 2 et 500. Ah, j'ai pas 500. Et j'ai pas et je n'aurai pas 500. J'ai pas assez de vestiges en fait. Ouais, ok, ça marche. Bon, moi je vais faire une pause et on continuera ça la prochaine fois. Mais ça, c'est fun, ça va. Ça, c'est bien. J'aime bien l'exploration, côté exploration. Ça, tout se ressemble pour le moment, donc c'est un peu la panique, mais on sait pas vraiment où aller à chaque fois. Mais ça va, j'aime bien. Je m'amuse. À la prochaine, ou alors tout de suite, on verra. Ciao. Et nous sommes... de retour. Donc on avait récupéré un nouveau... on a augmenté notre épée la dernière fois. Et on a récupéré une nouvelle attaque aussi. C'est LBLT. Non. LTRT, je crois. Je sais plus, on verra ça en combat. On a récupéré ça, nouveau move. On a augmenté notre épée. On a... nouvelle carcasse aussi, qui est plutôt sympa. Honnêtement, je vois pas en fait ce qui pourrait être mieux. À moins qu'on trouve quelqu'un avec une sorte de gros tank qui peut encaisser les, vraiment des très 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 gros dégâts. Pour le moment, j'en vais rester comme ça parce que... C'est quoi ce bruit? J'avoue que le fait d'avoir une grande barre d'endurance, ça aide énormément. Waouh, bien joué. Ah, d'accord, cool. J'suis toujours en vie, Si on pourrait reset ça... Enfin, quoique, non, ça va. Ah oui, il y a un truc en même temps aussi, je suis en train de faire le rendu de la toute première vidéo qui est en 2K. Deux jetons spectral. Parce que je me suis dit, on va faire les deux en même temps, on va faire nouvelle vidéo plus le rendu de la première. Donc j'espère que je vais pas avoir de lag ou quoi que ce soit. Ah, je me rappelle de lui. Je crois qu'il peut les balancer, les couteaux. Je me rappelle plus. Peut-être pas. Ça m'a touché ou pas?
bof. Par contre, j'ai ma détermination qui baisse petit à petit. C'est normal ou pas? Si, il balance les épées. Si, il balance les épées. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'ils sont relous. Il m'a touché avec son épée à la con. Il m'a touché. Alors que j'étais vraiment genre là, quoi. Merde. Ah oui, il explose! Quand il balance sa tête. C'est, je me rappelle ça. Pause. Il a perdu grave de la vie. Ok, là il y a. Oh bof, ouais. Pourquoi pas? Vert, hivernal, pétrifié. Dans la lame du martyr. Dans la lame du martyr. C'est pour l'autre épée qu'on a eue. Le premier martyr ne laissa ni sang ni corps. Non, il a donné bien plus afin de préserver notre foi. Il a donné sa mémoire vivante, tout son savoir et tout ce qu'il a aperçu scellé dans la glace. Au moment de sa décongélation, ouvrez la bouche et endurcissez votre cœur. Recevez son cadeau. Souvenez-vous de ce qui est arrivé. Ok. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse commencer en fait notre attaque pendant qu'on disparaît. Je trouve ça assez cool. Yo, à gauche. Ça va. Merde, y a un autre truc là. Je sais pas s'il va nous pourchasser ou pas. Apparemment non. Ah, ils sont relous parce que... Ouais, on peut pas les vraiment bien les enchaîner en fait. Grand carreau. Je crois qu'on est censé avoir une arme de corps à corps, à distance. Tu dors? Non. Qu'est-ce que tu fais? Merde, j'ai un truc à ma droite? Non, ça va. J'ai pas esquivé. Ça a fait pas mal de dégâts, je crois. Acide de trempe, très bien. Le coup a fait pas mal de dégâts. Par contre, un truc qu'on... Des bruits bizarres. Un truc qu'on devrait faire, c'est bouffer, ouais, les trucs de poison, là. Ah non, on les mangera quand on aura débloqué le fait de régénérer une partie des dégâts, je crois, sur lui. Donc, là encore. Ah,
J'ai cru qu'il allait taper, qu'il allait pas taper assez vite en fait. On va avoir un problème avec lui par contre. Ça va avec l'esquive, hein, honnêtement, ça va. Ça va, ça va. Je sais pas si on le combat maintenant, lui, ou pas. Pas je... Je me rappelle plus ou moins, il y a genre les stalactites qui tombent, des trucs comme ça. Manuscrit de défi. Faut que je me rappelle un peu de son moveset. Ah oui, ça c'est quand il essaye de nous bouffer, je crois. Qu'est-ce qui lui arrive à son bras ? Ok. Ah putain, j'étais encore dans l'animation, je crois. Et là, faut s'éloigner. Aussi fait ça. Parce que je me suis dit, les petits monstres font ça, enfin les plus petits on va dire, faisaient des dégâts quand ils sortaient leur griffe et pas lui. Alors que c'est un boss. Bon bah ça va. Ah, il était pas très dur, honnêtement. Premier coup. Enfin, après, comme j'ai dit, j'avais déjà combattu pendant la démo. Vigie de Thiel. Après, je vais être honnête, je me demande si ça va vraiment être utile de genre changer en fait de carcasse en combat. Enfin, ou alors enfin dans certaines zones, parce que à moins qu'on trouve pas la femme genre pour changer. Je sais pas. Genre elle. Ouais, genre on trouve pas les carcasses, enfin les tombes quoi. You killed the Grisha. Many died dragging that beast down here.
he served as a slave, a guardian. That they would worship unfettered, enshrined in ice. Can you blame them? The perversity of living has always been its ever-changing nature. So, then, would you like another sip? Ouais, on a un, on a huit. Un truc. Alors... Ça, c'est vachement bien, ça. L'endurance au lieu de la vie. Mais je voudrais... Lorsque Zeus subit bon, Thiel regagne en santé une partie des dégâts qu'il aurait dû subir. Ouais. Je veux voir ce que ça fait exactement. Honnêtement, je me rappelle plus vraiment. Within the wilds, we forgot our teachings and fell in with brigands. They mixed droplets of tar with muddy spirits and made no promises of salvation. We drank heartily, stumbling from one camp to the next. We rotted like joyous animals in the filth. Je me rappelle plus. Est-ce que c'est vraiment extrêmement utile, genre quand on utilise les champignons ou pas? Donc on va tester ça. S'il faut, ça peut me tuer. Hein. Enfin, est-ce qu'on peut descendre? Ah oui, on peut descendre. Il y a des objets. Ça peut sûrement me tuer au début, mais après peut-être que quand on a la familiarité au max, peut-être que non. Là du coup je connais pas du tout parce que je crois bien que c'était la fin de la démo. Pas de bêtises. J'étais en train de regarder ma vie. Ouais non, je régène. Hein. Ah, je régène complètement maintenant. Ah non, c'est top. C'est pratique. Ça dépend des monstres hein, évidemment, mais c'est pratique. Est-ce que on va me balancer? J'entends des bruits. Non, ça va. Par contre, on peut peut-être tomber pour aller récupérer les objets en bas, là. Vu qu'on a un régène qui est en train de jouer, là. Raccourci. Pas d'animation pour ouvrir les portes. Oh bonjour. Pas mal. Ow. Ok, il est pas très bon à se protéger avec son bouclier, surtout quand il attaque. Donc ça va. Il y a plein de manuscrits et tout ça. Je suis en train de me demander, est-ce qu'on devrait pas changer d'enveloppe pour les lire? Parce qu'il y a le... Ah oui, non, mais non, il faudrait débloquer les points de toute façon. Utiliser les objets de révèle son effet. Ouais, je sais pas, on verra. Non, il faudrait d'abord débloquer l'habilité en fait, pour que l'autre carcasse là elle puisse. Vas-y, explose.
Yeah, merci. Pas trop comment le combattre lui en fait. Je sais pas, quand il attaque, bah il se protège plus, donc j'attaque, ça a l'air de le stun en plus à chaque fois. Donc ouais. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Hein? Je crois qu'il y a un truc derrière moi en fait. Ou au-dessus de moi. Ah ouais, donc tu me laisses pas passer en fait. D'accord. Ok. D'accord. On va reprendre le pont. C'est par là, là il y avait quoi? Ok, très bien. Alors, la première vision m'est venue comme réveillée, ça m'a pris à la gorge et j'ai frissonné, plongé dans une vaste chambre, je contemplais une demoiselle couronnée de verre hivernal, tremblant, je suis revenu au présent et son étreinte telle un collier de glace autour de mon cou est resté nous liant à jamais. Okay. J'ai inversé deux phrases parce que je voulais en fait sauter les la lecture, mais après je me suis dit ouais, on va quand même le lire. Ah, c'est la distance d'affichage en fait, hein. Des monstres, hein. Quoi? Tu m'as touché. C'est la distance d'affichage des monstres, hein, qui est bizarre hein, dans le jeu. Pourtant, je devrais pas avoir de problème. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est un problème en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment le jeu qui est comme ça. Qui, des fois, bah, il affiche les monstres à une certaine distance et pas. Et c'est tout. Ouais, non, je sais pas du tout. C'est un peu embêtant, ça gâche un peu. Je vais voir si je mange ça. Yeah, Max. Ah, du coup, ça... Ah, non. Oui, je me rappelle maintenant. C'est que quand ils sont au max, ça nous empoisonne plus. Ouais. Quand c'est au max, ça nous empoisonne plus, ces champignons. Donc, du coup, j'aurais pu m'en servir pour récupérer de la vie avant. Mais maintenant, c'est inutile, je crois. Ouais. C'est... Ouais, bah c'est bête. Ça c'est quoi? Prochain dégât subi, endurci la santé, utilisé 9 fois... attends. Vous endurcis, vous convertis en santé. Ouais. Ça c'est pas mal. Oh la vache. Oh mon dieu!
du coup, ça sert à quoi en fait de manger ça? Ah, par contre, je suis encore empoisonné du... J'ai pas dû le laisser. Mon dieu, j'ai esquivé, mais apparemment c'est trop tard. C'est con ce que j'étais encore empoisonné du champignon en fait. C'est ce qui m'a tué, on va dire. C'est ce qui m'a empêché de régén. Pas mal. Cette caméra, par contre, j'aime vraiment pas que la caméra ne centre pas le personnage, quoi. Genre, surtout dans les endroits comme ça. T'es tout seul ou c'est un piège? Ouais, c'est un piège. Ça va, parce que ça fait vachement mal, ça. Le coup de balancer sa tête, là. J'ai un cadeau pour toi. On lui a défoncé le bouclier direct. Du coup, on est passé plus esquive qu'autre chose, en fait. Mais, bon, moi, ça me va. Bouge. Ah, il a pété son bouclier sur moi, je crois. Intéressant. Intéressant. Par contre, faut que je regarde l'heure. Désolé. Ok, on est bon. Continue. Merde. Oh, les dégâts, quoi. Ouh, juste à temps. Ça va, ça nous a régène pas mal, hein, le coup, avec la... le jeton, là, on a bien joué. Je vais pas me mettre par là, je suis bloqué. Thank you.
Ah putain encore. Ah on l'a tué, ok. On l'a tué avec l'enchaînement. Cool, on va voir ce qu'il y en a, ce qu'on a là-haut. Ok, bien. En fait, je rush hein, quand je suis... Merde, me fais pas ton... Ça va. Ah merde, mais attends, je me retrouve où, là? Où est-ce qu'on est? Bah oui, fallait pas me faire tomber, hein. Ouais, je disais que je rage quand j'ai le poison. Comme ça, on combat avec un régène qui dure très longtemps. Allez, avance! Ok, très bien. Allez, tape! Des fois, j'ai l'impression qu'il... Il réagit trop lentement, mon personnage. Il y a un truc... Oh, bonjour. Oula! Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, ok. Pfff. Oh, quelle merde. Ah, du coup, on peut passer maintenant. Ça, c'est le chemin du... Où le machin, en fait, nous bloquait. Ça va. Ok. Pourquoi tu t'énerves? Non, pas bon. C'est très bizarre le système de ragdoll. Hein. Parce qu'il me fait tomber, j'ai plus du contrôle en fait sur le personnage. Il tombe bizarrement. Regarde, là. Et après il tape en fait quand je suis au sol. Merde, non ça va. On va tuer. Ok. Je vais quand même un peu bugger. Hein. Enfin légèrement, c'est pas très grave. Mais... par contre on n'a plus de... Ouais. J'ai pas de détermination. Il y a un méchant truc là-bas. On a 1500. J'ai des objets à vérifier, à regarder. Allez, on va voir la madame. Je crois même que je peux augmenter encore mon épée. Puis là, on a débloqué un raccourci, donc on en profite. Yes, slowly now. Alors fais voir ce qui nous ferait plaisir. En cas de riposte automatique, tiens, libère parfois un nuage de empoisonné. Moi, ça, je le fais pas souvent, donc bof. Subit des dégâts à 20% de chance de perdre de l'endurance au lieu de points de vie. On va prendre ça. Donc c'est 8. Donc il nous en faut 3. Non. Ok. Ça c'est combien? 150. C'est pas beaucoup à chaque fois. Réveiller son manuscrit de ferveur. Ça fait quoi? Prochaine parade empoisonne l'ennemi en cas de réussite. D'accord. Apparemment je suis déjà au 3, je l'avais déjà lu.
Yes, taste. Perte de l'endurance au lieu de points de vie. C'est bien ça. As smoke choked my vision, and tears welled in my eyes, the world itself burned white hot. But beneath it all, there was nothing. No monsters. No gods. Only oblivion. The consecrated fires revealed cinders and shadows, yet I strained to see more. Surely these sages offered more than the assurances of annihilation. Mm-hmm. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Cas de riposte, ouais, bof. Tu as un ami, obtient un bonus de empoisonner les amis au toucher. C'est pas mal ça. Frapper un ennemi empoisonné. Ouais, il faudrait débloquer. Enfin, après, ça c'est deux lueurs, on peut le prendre honnêtement. C'est que deux. Et je l'aime bien en fait, ce perso. With the tar throbbing in my belly, I see her completely. Each movement creates a swarm of copies. They ripple out from her, following their own whims. Some collide and join together, while others split apart, forming new copies. A reflection of reflections spreading out from her. The nexus, yet also indistinguishable. Mm-hmm. Ah, parce que j'aime beaucoup celui-là, le Thiel, en fait. Donc du coup, autant rester et jouer poison, j'aime bien. Donc, ouais, pour les deux prochains, ça serait tout ce qui est le jeu avec le poison, en fait. Du coup, on peut passer par là. Non. Merde. C'est par où? Fallait que je descende ou pas? Je m'en rappelle plus. Mémoire de poisson rouge. C'est marrant, ça m'a empoisonné en fait son coup de tête. Ça fait pas des dégâts purs? Huh. Attends. Du coup. Si, c'est là. Bah, c'est un peu beau là. Merde! Non, ça va. C'est cool. Ah, en gros, si on est empoisonné et que peut-être on mange un champignon empoisonné, vu que maintenant on est en familiarité au maximum, ça doit couper le poison, je pense. On s'en sert comme antidote, en fait, j'imagine, non? Ouais, bah, enfin, peut-être dans ce sens, je sais pas si ça marche. Mais après, il y a dans le sens où on peut s'empoisonner avant. Vu que ça, on avait vu qu'on pouvait pas se faire re-empoisonner. Ah, du coup, il y a lui. Fait un peu chier, on n'a pas de. Ouais, on a pas de soin, rien. Ok, super. Ça.
Par contre, niveau vie, on est très mauvais. Je sais pas trop ce qu'on peut faire. Ça fait quoi ça? Restaure la santé, mais consomme quoi? Alors, go horrible, restaure la santé, mais consomme toute votre détermination. Bon. Bon, on le saura maintenant. Merde! J'en ai remangé. Bah attends, du coup on va les mettre si c'est pas mal. Hop, et ça. De l'endurance. Ah là là. On n'a pas touché ? Sûrement un truc à droite, non ? Ou à gauche ? On peut descendre, on va monter. Ah mais on... Attends, putain, je suis en train de glisser, c'est cool. Mais on connaît cet endroit. Ouah, d'où ça me touche. Tu vas me dire qu'on a fait le tour ? Merde. Ça a pas l'air de me toucher directement, donc je peux pas être vraiment positif en fait. Est-ce que ça fait des gros dégâts ou pas? Moi, dans ma mémoire de la démo, ça faisait des gros dégâts. Merde. Ah ça, dans tous les jeux de ce style, un combat dans les escaliers, c'est de la merde. Ok, d'accord. Allez, dépêche. J'ai pas le contrôle du personnage hein, quand il est à terre. Une catastrophe. C'est une petite catastrophe. Non, non, c'est la mort là. Ah, salut. Je vais être honnête, je t'avais pas vu. Ouais. J'allais dire que c'était nouveau, mais en fait non. Ouais, non, là on revient. Je sais pas si on a tout fait ici, hein. M'étonnerait quand même. Là, le coffre, on l'a fait. Bon, on va essayer de... Genre de tout tuer. Putain. Sans avoir besoin de s'arrêter. Comme ça, si jamais on voit des nouveaux monstres, en fait, on y va. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait chier lui.
Ah. Oh. Ah putain, il y a encore un esprit. Mon dieu, la caméra, quoi. S'ils étaient pas teubés, hein, on aurait eu beaucoup plus de mal. Hein. Enfin, s'ils étaient pas sourds. Bon, ça. Il y a un tunnel là. Bon bah, cool. J'ai un truc à droite. Ouais. Caméra. Pris l'objet ? Ouais. On avait un chemin. Je sais pas si le chemin. Non, si, si, parce qu'il y avait le mec au bouclier. Donc le chemin que j'ai pas pris, je suis allé directement dans le. Dans le tunnel, c'est de s'amener là en fait. Registre éthéré. Gourdon. Ah, c'est bien codé tout ça. Ça fait plaisir. Ah, je crois qu'on arrive à une nouvelle zone. Hôtel du Martyr. Alors, j'imagine qu'on devrait faire demi-tour. Ça a l'air d'être une belle arène. C'est quoi ça, par terre, des ombres ? Les cadavres. Ouais, c'est des cadavres sous l'eau en fait. Ok. Ah non, mais c'est elle. Ah, ça va. Cool. Do you feel them? The enshrined weight, watching the immaculate for thousands of years. They will not stir until the ascension. They wait for her to deliver them. Here, drink fully. Warm your bones. Je sais pas de quoi tu parles, madame. Va falloir arrêter de me raconter des histoires. Alors... Ça, c'est 1108. Je sais pas si on a assez. Yes, ok. Wow, 15. Cool. Yes,
slowly now. Alors du coup, si on a autant, on pourrait prendre un truc encore plus puissant. Genre par exemple ça. Ouais non, ce sera pour plus tard, c'est pas grave. Frapper un ennemi empoisonné augmente les chances de déclencher une autre capacité passive. C'est quoi les capacités passives ? Ouais, je sais pas. Ouais, on va prendre ça. Lorsqu'il tue un ennemi, Thiel obtient un bonus qui empoisonne les ennemis touchés. Vous perdez ce bonus si vous êtes touché. Donc ouais, ça nous fait un bon bonus si on a des plusieurs personnes à tuer en fait. We stole from those thieves. There was never enough tar to go around. It was wasted on them anyways. We knew what it was. Its full potential. Why dilute it? But we were punished all the same. In time, my ruined face peeled away. Her form faded into something like fog. Something trapped between realms. Par contre, les pauses entre les phrases, mec, elles sont un peu trop abusées. Là, il nous en faudrait 15, on en a à 10, et il nous faudrait 2500 goudrons par contre. Ouais. Bon ben, pour le moment, c'est le goudron qui nous manque. Ok, très bien. Je pense qu'on devrait retourner dans la forêt, je suis sûr qu'on a loupé des choses. Alors, qu'est-ce qu'on va combattre ? Une chose qui est bien, c'est que je connais rien du tout du jeu, à part la démo que j'ai faite, en fait. Parce que j'ai vraiment regardé aucun stream, rien du tout. Enfin, le jeu, honnêtement, quand il est sorti, il était bien. Il y a beaucoup de gens, je crois, qui étaient dessus, parce que, voilà, Dark Souls, machin. Mais, genre, une semaine ou deux semaines après, c'était fini, quoi, il n'y avait plus personne. C'est la bonne chose à faire. Ah, on va avoir encore un combat. Non? Genre comme avec le coup de l'araignée, là. Vu qu'elle est juste à côté, ça expliquerait. Genre un duel. Ouf. Ah ouais, bon, t'es un peu plus stylé quand même que l'autre. Oh. Ok, Predator. Coupé. D'où tu me touches? Ouais non, ça marche pas, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Wow, ma vie. Ok, donc je suis... Oh. Je suis rentré trop vite en fait dans la zone. Bien joué. Bah merde. je l'ai un peu regardé venir le coup. Je l'ai un tout petit peu regardé venir. Je vais pas utiliser de soin, on va voir. I've kept your flesh safe, foundling. Ah ok, on recommence là. Ah du coup... Parce que l'autre combat, en fait, on était toujours dans l'arène. Là, non.
On peut zapper? Ouais, on peut zapper. C'est parti. J'avais oublié. D'accord, très bien. Ah, on a bien esquivé, tiens. Je suis trop dans les rebords. Il y a aussi les bords en fait qui tuent. Ok, cool. Complètement loupé. Là on l'a interrompu, putain. Ça va aussi mal que ça cette merde. Bah comment. Mais merde. Sérieux quoi. Je me demande si on peut pas le bloquer. Hop, on a balancé son épée. Waouh, ok, cool, super. Puis les temps de pause, c'est ça qui rend fou surtout. Puis si j'avance là, je vais me faire... Voilà, je vais me faire geler. Parce qu'il y a toujours la, les dégâts en fait. Ah, c'est débile. Très débile. Il y a toujours les, la zone de dégâts en fait. Elle part pas... Elle part plus tard en fait que le, l'animation visuelle. C'est trop bien ça. Bon bah voilà. Oh, phase 2. Je vois strictement rien.
What? Ah, le revers, quoi. Quelle merde, quelle merde. Il y avait du gros bullshit là par contre. Il y avait du énorme bullshit. Bon ça va, je l'ai eu du premier coup du coup. Enfin la phase 2. La phase 2 j'ai eu du premier coup. Mais il y a eu une merde pas possible sur la hitbox du... de son coup d'épée ou alors je sais pas si c'était un aura et tout. Honnêtement c'est un boss de merde. C'est vraiment un boss de merde. Pour plusieurs raisons. Déjà, il y a le système où quand il fait le début, en fait, c'est chiant. Il faut esquiver 3 fois. Là, c'est toujours la même chose. Et il le fait tout le temps, en fait, quand on commence le combat. Donc, c'est relou quand on fait le combat plusieurs fois. De deux, dans sa première phase, quand il fait la tornade autour de lui, après, elle disparaît. Elle est très facile à esquiver. Il faut juste se reculer, mais elle disparaît au bout d'un moment. Mais la zone de dégâts, en fait, elle reste plus longtemps que le visuel, en fait, que l'effet visuel de la tornade. Donc ça aussi, c'est très con. Après, le combat avec lui, ça va, il faut vraiment l'apprendre. Mais il a des mouvements un peu bizarres. Genre, à un moment, il reprend son épée, en fait, il la fait un peu tourner autour de lui, mais lentement, en fait, c'est pour la remettre sur son épaule. Genre, c'est comme si le retour de mon épée, là, en fait, pouvait faire des dégâts. Et bah lui, c'est un peu pareil, donc ça aussi, il faut l'apprendre. Pour moi, ça devrait pas faire de dégâts, parce que c'est pas vraiment un coup. C'est il remet son épée sur son épaule, quoi. Et après, ouais, non, la fin, là, la phase 2, là, c'était un peu bullshit, le coup que je me suis pris. Mais on l'a fait. Glande cristalline. Ok. Pierre, ces glandes font doucement. Quoi? Alors. Non, ça. À chaque fois. Ça devrait être l'inverse, honnêtement. Les touches. Ça devrait être le RT, ça serait pour changer de page, et LT, ça serait pour aller droite à gauche. Glande cristalline. Dure comme la pierre, cette glande fond doucement. Une glande cristallisée, pardon, presque translucide, révèle un vide ne pouvant être comblé que par de la lumière froide et brillante. Son noyau éclatant est étrangement attirant, guidant l'esprit vers un ravissant souvenir. Ok, on va aller voir notre copine.
a sacred glen. Truly, your blessed foundling. That gland contains the true nectar, the most precious sacrament. Each drop holds both transcendence and transfigurement. Rare is the soul brave enough to extract such an offering. I'm afraid I'm no longer fit for such work. The rite of extraction requires deeply pious hands. Though perhaps deeply blasphemous hands would do. Okay. C'est pas le mec qu'on avait libéré là, qu'il faut aller revoir. C'est pas ce qu'il nous avait demandé. Enfin, qu'on avait libéré, qu'on avait décroché le signe là. J'ai vu qu'il y avait un tunnel là. Genoux devant l'Immaculée, placez votre pomme de la doctrine immortelle, abandonnez votre fierté, votre orgueil, ou comme vous dites, votre volonté, ceci est le péché originel, lâchez prise, permettez à sa sagesse éternelle, vierge et inaltérée, de vous guider, si telle est sa volonté, votre esprit ne faiblira pas. Ok. J'ai un buff, je sais pas ce que c'est. C'est depuis que j'ai la glande ou je l'ai eu avant? Je crois que je l'ai eu avant en fait, pendant que je parlais. Je peux pas monter. Et madame, on va où maintenant? Oh. Cours, cours, cours. Ok, bien joué. Waouh. Truc qui m'a fait voler à perpète, quoi. Après, un truc chiant, quand il nous fait valdinguer, là, comme un débile, c'est que on perd le ciblage. Ah, c'est notre buff quand on tue des gens. Ah, par contre, ça marche pas quand, quand ils se suicident comme ça. Oh merde. Ça va faire chier ça. Ok, ça va. Ils sont un peu teubés eux hein, à chaque fois. On dirait qu'ils nous perdent de vue. Je me demande si les deux mènent au même endroit. Je pense. Je suis pas complètement sûr. Non. Ça va, ça va, ça va, ça va, j'ai compris. Il
On a de la riposte, mais honnêtement, riposter avec lui, je suis pas trop fan. À moins qu'on tombe sur des monstres vraiment nuls. Genre les paysans du début, quoi. Oh, super. Ah, super x2, quoi. Super x2. Tiens, on a fait un nuage de poison, je crois que ça lui a fait des dégâts. Pourquoi j'ai fait un nuage de poison déjà? Enfin, je crois que j'ai fait un nuage de poison. Non, j'ai empoisonné en touchant. Oh! Super. Putain, je l'ai pas vu le truc. Oh la vache, tape. L'épée, attention. Ok, arrête de taper quand je veux esquiver. Oh mon dieu. Je sais pas quel trou prendre. Je sais, c'est fait exprès. Là du coup, on l'a fait celui-là ou quoi? On va pouvoir mettre des marques. Ma vie remonte plus ou quoi? Quand je suis dans un trou. Ah ouais, ma vie remonte plus quand je suis dans un trou. Ah, c'est con ça. Il y en a d'autres ou pas? Ah si, on était venu là. C'est pas mal hein, d'empoisonner les gens. Ça fait pas énormément de dégâts hein, quand même, mais bon. C'est sympathique. Ah ouais d'accord, non, on a envie de retourner là. Peut-être avec une arme plus rapide, ce serait pire. Enfin j'en sais rien. Esquive. Ok, bien joué. Ok, bien joué. Quelle merde. En fait, là, on essaye de sortir. J'ai bien compris. Ah merde, j'aurais dû garder pour ça peut-être. Pas du tout ça que je vais faire. Putain, j'ai du mal à voir les ennemis. Est-ce qu'on n'a pas un objet pour nous soigner là, celui-là ?
Vas-y, nourriture avare, fais voir. Ah, peu de santé, mais beaucoup de... Ok. Bon bah du coup, on aurait dû manger ça. Bon, on est presque sorti d'affaires, je crois. Bien. J'ai un truc derrière moi. Ah non ! Elle est pourrie cette attaque. Elle est vraiment pourrie cette attaque. Il nous faudrait quelque chose quand même. Yes. Yes. Slowly now. Je suis passé par là en fait, j'aurais pu passer par le dessus, je crois. Parce que j'avais ouvert la porte. Enfin, c'est pas... Non, si. Non. C'est très bien comme ça. C'est très bien. Alors, il me faudrait ça, on en a 15, il faudrait 2500. Ouais, c'est beaucoup, 2500. 1500 en tout, on a un goudron naissant. Ok, on peut. Yes. On va prendre ça. Ouais. I hid my disfigurement beneath my cowl and slipped away. I was delirious when I reached the seat of infinity. Did I dream up this kind soul among the cherubs and the faceless masters? She welcomed me without flinching and offered nourishment. Had my throat always been this parched? Par contre, je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par... Déclencher les autres capacités passives. Genre, libère un nuage, j'imagine. Genre par exemple ça. Des trucs comme ça, je pense. Je sais pas. Enfin, oh non, ça dit augmente les chances en fait. J'en sais rien ce qu'il veut dire. Oh waouh, ok. Thank you.
Tiens, on va pouvoir se faire eux, comme ça on récupère le buff poison. Horrible de combattre là, ils peuvent pas descendre, je peux pas monter. Ah, peut-être que du coup, genre les 20% que j'ai de pas me prendre des dégâts de vie au lieu de, je prends des dégâts d'endurance, peut-être que ça marche mieux. Si je combats des trucs empoisonnés. Mais oh là là. J'ai un icône qui s'affiche quand je tapais. Ah mais c'est peut-être ma nouvelle habilité en fait. Quand je tape un truc empoisonné. Ouais. Ouais. C'est ça en fait. Ouais non ça va, le perso il est bien. Il est pas OP mais... Pour ce que je fais c'est cool. Ce qu'il faudrait à la place c'est une arme plus rapide. Je dirais. Et honnêtement c'est tout. Il y a un truc à droite. Ça fait un nuage de poison. Enfin non, je crois que c'est quand ils sont empoisonnés, ça fait ça. Eux, par contre, c'est un peu plus lumineux. Ils sont énervés tous ici. Hein. Juste au cas où qu'il n'y ait pas un truc derrière. Par contre, le poison reste pas, tiens. Ouais, du coup, il me faut ça. Ça a du sens de vouloir une arme qui tape vite, en fait. Mais bon. Un peu le bordel, surtout que je vois pas grand chose. Ça va. Putain, l'endurance, elle en a pris un coup. On a pas besoin de les combattre en fait. C'est par là. Ok, là on peut. Là encore, est-ce qu'on a fait un train.
sans vraiment le vouloir. Parfait. On va aller retrouver, alors déjà il faut que je retrouve le mec. Ah tiens, c'est ouvert ça. Foulard de martyr. Ok. Retrouver la chose là. Au début. Registre atterré. Ouais, on sait pas ce que c'est. Foulard de martyr. Ouais. Ça fait quoi? C'est pour changer d'épée en fait. Ok. Ah ouais. Genre toute la zone a changé quoi. Waouh, super. Oh waouh, trop bien. Genre tout est devenu beaucoup plus difficile quoi, c'est cool. Oh, on va devoir régénérer un peu plus vite là, il y a du monde. Waouh. Pas mal. Je vois strictement rien, c'est bien. Ah. Ça, on l'a touché. C'est con parce que ça a changé complètement la zone en fait. J'aurais bien voulu continuer à l'explorer. Oh. J'aurais dû m'endurcir. Ah mais il nous crache dessus en fait. Je crois. Merde. Ah je l'ai. On est dans la merde. Un truc, je suis en train de me dire, je me demande si de faire un nuage de poison m'empoisonne aussi. Ça serait bien ça en fait.
J'ai vu qu'il y avait la grosse bestiole qui était devant un coffre. Faudrait aller se la faire. Ah ouais, c'est un boss en fait. Ah, il a les mêmes attaques que l'autre. Putain, je me bloque. Par contre, vu que... Voilà. Merde, non, ça va. Ah, putain. J'ai merdé. J'ai plus le poison. C'est vrai que c'est sympa de d'avoir le poison. C'est vrai que c'est vraiment sympa. Salope. Oh mon dieu. Faut mieux se placer, faut mieux se placer. Ah oui, c'est vrai que eux ils me touchent, ils m'empoisonnent. Bon, par contre, ça dure pas longtemps, mais ouais, non, je crois que c'est pas utile, en fait. Ça joue pas en notre faveur. C'est, ils nous font des dégâts, mais après, on se soigne, mais on se soigne pas... Ça reste pas assez longtemps. C'est ma portée qui est relou des fois. C'est quoi ces cloches? Une cloche qui sonne. Ah oui, quand on s'endurcit, ils peuvent pas nous attraper en fait. Ils nous sautent dessus, mais ils sont repoussés. Par là, du coup. Ah oui, là, du coup, on retourne vers la femme, je crois. Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas... Ouais, on n'a pas de soin. Alors, faut faire très attention. C'est parfait. Don't overindulge. Parfait, parfait. Il nous en faudrait 20 pour sprinter, ne consomme pas d'endurance. Ça peut être intéressant. Endurcir ouvre l'air pour créer une zone d'impact. Ouais, non, ça je vais jamais l'utiliser.
Coup de pied, honnêtement, je sais pas. Regagner une dernière chance, tuer un seul ennemi. Ça, c'est pas mal. Parce qu'on a 4... Il faudrait 4000, on a 3200. En fait, on est proche de l'avoir, c'est pour ça. Je suis en train de me dire... Ok. Wow, ok. Yes. Donc du coup... Prends ça. Parce que avoir 4000 goudrons, c'est... C'est chaud, quoi. I still reach for her in the middle of a cold night. But there is only the echo of her left. I see her outline. I can hear her voice rattling in my skull. I haven't tasted tar in days. She urges me to return to that damned shrine. Will they welcome a lost pupil back? Ouais, parce qu'en fait, c'est avoir 4000 de tar, de goudron, qui rend la chose difficile, en fait. Donc au moins, on a fait le plus gros. Non, parce que ça sera que 3000. Toi, t'étais où, toi? C'est sûr que je suis passé à côté de toi. C'est pas où c'est qu'il y a la tour, là? Ouais, ouais, c'est où c'est qu'il y a la tour. C'est vrai que la tour, on n'y est pas allé. Je sais plus où elle est, mais on n'y est pas allé. On va faire le tour. Bonjour. That stench. You've brought the fog with you. Ouais. And something else. You reek of revered fluid, stranger. Ah. But you were not anointed. No. You stink of violence. Good riddance, I say. May they all rot, along with the sickness they spread. Perhaps we may have an accord? Depraved creatures hide in this mist, feeding on the lost. But it's not flesh and blood they delight in. They devour glimpses. Reveling in the memories, savoring the raw emotion. Yes, as do I. If you can part with them, then the fog will come and go as you please. Okay. You found it. The sacred gland. I knew you would. Careful now. It's a fragile vessel for the divine. The devout squander these gifts, letting them rot. They dwell in the revered temples, but waste what remains of their precious offerings. You must endure another temple, arduous though it may be. Once you return with another sacred gland, I will infuse your tarnished seal with another gift. Mm-hmm. Infusion sans sauternie. Alors, seau d'infusion cristallin. Le vieux prisonnier a infusé votre seau avec du nectar véritable qu'il a extrait de la glande cristalline. Lorsque vous êtes plein de détermination, votre riposte libérera sur vos ennemis votre véritable forme. D'accord. Ok. C'est tout avec de la riposte en fait, c'est un peu con. Ah, ça c'est pour trouver l'arme.
Mais c'est vrai que j'ai pas trop fait attention aussi à ça. C'est vrai qu'il faudrait partir à la recherche en fait de chaque chose. Mais bon, enfin les mecs, enfin de toute façon je pense qu'on les trouvera plus ou moins où on va quoi. C'est... Genre je vais pas, comment dire, je vais pas ignorer une arme parce qu'on a pas rigueur, c'est pas là qu'on allait. Rune de saut de terre, améliore les effets de soins des ripostes automatiques. Ouais, c'est pas mal. Pour augmenter encore l'épée. J'ai pas envie d'augmenter encore l'épée, moi. Ça c'est, je sais pas, on va attendre. Faudrait qu'on attende quelque chose d'autre. Par contre, la riposte avec lui, non. Enfin, c'est un peu con, parce que c'est pas vraiment quelque chose que je fais. Je pourrais tester. Ouais, du coup, on n'a plus le brouillard, c'est bien. Comme elle a dit, le brouillard... on peut l'enlever. Enfin, il nous suit, il s'en va. Je voudrais bien combattre un petit monstre. Bah c'est sympa ce passage. On a récupéré la glande et tout, et puis il y avait plein de monstres un peu plus gros. Alors, fais voir. Ah oui, non, mais il faut que ça soit plein. Waouh, trop bien. Passe bien pour un con. Ouais, enfin là je suis en train de tuer des trucs mais je sais pas où aller en fait. Ah oui, j'avais dit que je voulais voir si on pouvait monter aussi. Qu'on trouve un autre objet. Attends. On va monter. Peut-être qu'on peut pas. Hein. Ah non. Vas-y, qu'est-ce que tu peux nous dire? You're back, empty-handed. I'm afraid I have little to offer you without a gland to prepare. Okay. La cloche. Ah. What? What? Putain, jeu de... Ah, quel jeu de merde. Cool. En fait, on se transforme en esprit et on tape plusieurs fois, c'est sympa. Ah, quel jeu... Ah, buggé, quoi. Je suis tombé de quel côté du coup. Et ça c'est des problèmes de collision et tout ça. Ça je les avais vus déjà dans la démo. Et je l'avais. Je suis sûr qu'on peut retrouver le stream que j'avais fait et j'en parle. Ça et le coup de la caméra aussi qui est très très relou. C'était par où, par là. On va pas sprinter. Bonjour. Il y a un chat. My, oh my. Aren't you a rare specimen? Rather dashing in that curious attire. And what of on the inside? You must be a gentleman. Certainly not one of those boorish fanatics. Welcome then.
I'll warp some tea. In the meantime, why not take a look at my wares? Bien sûr. I'll gladly accept any tar as payment. Ouais, voilà, on n'a pas beaucoup. Rail grillé, de l'agneau, des carreaux, manuscrits. C'est pas à quoi ça sert, la cloche, c'est pas non plus. Pardon, ouais. D'accord. Bah, c'est bien. Oh. Nous aime bien le chat. On va crever. Ah, ça va. Cloche de bronze. Ça sert à quoi? Cloche dorée. Cloche de bronze. Ah waouh, pendant 6 minutes on peut farmer plus de goudron, trop bien. Ah merde. Waouh. J'ai été sûr que ça allait merder en plus. Bon bah du coup moi je vais faire une pause ici. Parce que là on m'a fait quoi? J'ai fait une session de 2 heures, c'est bien. Bon bah ça s'est bien passé, sinon on a fait des boss, on est revenu plus puissant et tout. Ouais, on va faire une pause ici. Et on va continuer. Je sais pas du tout où aller. On va essayer de trouver... on va essayer de trouver des armes et tout ça. Et des nouvelles carcasses peut-être. Ah ouais, je suis mort, j'ai perdu mon buff en fait des 6 minutes quoi. Waouh, trop bien. Trop bien. Après on pourrait changer. Non, non. J'aime bien celui-là. Mais après, si on change, on prendra Solomon, je pense. Parce qu'il a plus de vie et tout, et puis on fera un peu une sorte de tank, je sais pas. Genre, on fera beaucoup plus de contre, quoi. Mais ouais, on va s'arrêter là. Mais c'est sympa, sympa. On a bien avancé, je suis content. On a fait une bonne session. À la prochaine. Ciao, ciao.